Demain, c'est la dernière fois que je consomme, Chris. Je vous jure, gang. Demain, c'est la dernière fois que je toucherai plus jamais à cet estime marveux. Je vous jure, je vous mens pas. Demain, c'est la dernière fois que je toucherai ça, gang, Chris. Je vous jure. Je vous jure, je suis capable. Demain, c'est fini. Demain, c'est fini. Les cercles vicieux. Demain, Chris, c'est tout le temps demain, c'est ça les estis de cercle vicieux. La personne qui te regarde avec le sourire qui s'est sortie de toutes ses addictions, cette personne-là peut craquer à tout moment. C'est quoi ton asti de problème de tenter de réinfluencer cette personne à retomber pour une Chris de soirée? Ah ouais, fais l'exception, juste s'asseoir une fois, ça peut pas te tuer. Ouais, une fois, avant les 99, ces personnes-là, je t'ai collé par la fenêtre. Me semble que quand tu sais que quelqu'un a un problème de consommation, tu ne l'encourages pas à consommer, mon asti de mongol. On vit dans une société d'hypocrites. Un cercle vicieux, qu'est-ce que c'est? Un cercle vicieux, c'est être piégé dans un environnement de débauche, dans un environnement malsain. C'est ça, un cercle vicieux. Je m'en contre-calisse. Je sais que tu t'en contre-calisse. On n'a pas de colonne au Québec. La drogue est un asti de tabou. Comment voulez-vous qu'un jeune puisse possiblement se sortir d'un cercle vicieux quand qu'on place la drogue étant un aussi gros tabou? Il va préférer se tirer une balle dans la tête que dire « j'ai un problème de drogue ». Ton jeune, il est pas fou, là. Il sait que s'il s'avance vers toi et te dit « j'ai un problème de drogue », il sait que c'est ta main qui va avoir derrière la tête. Mais du coup, je te dis, c'est quoi le style de problème de cette société? Les cercles vicieux sont partout. Dans les paroles, les expectations de tes proches, les idéologies de tes semblables. En avant de la pensée populaire qu'on se sent obligé d'adopter pour être accepter. Rares sont les choses que tu ne feras qu'une seule fois. Mais à quoi tu t'attends? Fini. Non, que tu vas te dire, c'était le fun. J'aimerais ça y retourner. Arrête de te mentir. Arrête. Tu sais, on tente souvent de se convaincre que nos addictions sont laides. On se motive à les détester. Voilà magnifique, la drogue. Parce que c'est ça sa plus grande imperfection. C'est qu'elle t'offre un sentiment parfait. Y'a rien de remarquable à une peinture parfaite. Si je fais cette vidéo-là, c'est parce que je suis tanné de voir du monde rechuter pis perdre espoir. Je suis tanné de voir la vie contourner la volonté que je voyais chez les gens quand j'étais jeune. Encore là, je dis la vie, mais je cible les humains. C'est juste que les humains aiment se mentir et blâmer la vie. Même si la vie est un vaste paysage libre à toi de placer tes perceptions comme bon te semble. Tu sais, dans cette vidéo-là, j'attaque les cercles vicieux. Esti, je devrais attaquer le monde. Je t'aime tellement, Jimmy, que je peux crisser un gun sa tombe! Parce que sérieusement, il est où ton esti de plaisir à traîner le monde que t'aimes dans ton vice et tes esti de malheur? Ah, on me l'avait jamais fait, celle-là. Prochaine fois que tu veux refaire de quoi avec moi, laisse un message. C'est toute la même peur qu'on partage, celle de l'informe désaccord de nos semblables ou des insultes se mettant à virevolter de notre bord suite à une remarque. Être dans un cercle vicieux, c'est destiné à mal finir. Parce que se mentir, c'est se pointer un gun pas chargé sans attendre. Tu meurras pas, mais tu vas fixer l'horloge. Le verre est né à moitié vide ou à moitié plein. Il est totalement évaporé. Comme tes rêves, mais tu peux toujours les rattraper. Parce qu'il est jamais trop tard. Pense vraiment ouais, que tu vas sauver le monde. Le bonheur, ça fait peur. T'es supporter qui a même plus envoyé de le perdre. Sans toi, je suis perdu, je sais plus comment m'en sortir. Sans ta présence et tes lèvres, c'est encore pire.